Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal Créole, la voix de l'Amérique, sous plateforme nous chaque jour. C'est un plaisir pour nous capables de porter émission ça pour. Sans nous pas tarder, n'a pas commencé. Et là, ancien président Donald Trump lui-même qui sous route et aéroport côté il va faire un voyage pour Atlanta côté que lui pral run tête li selon information que nous jouons. Et puis ici aux États-Unis, gros point d'actualité, c'est débat, premier débat pour primaire pour parti républicain qui déroulait hier soir avec 8 candidats dans Wisconsin. Candidat était boucanté, parole bien calculée sous ça que y en a modérateur relé éléphant qui parle dans salle là en parlant de ancien président Donald Trump qui lui-même décidé, il est tellement devant dans course là que il pas besoin présenter tête sous scène. Quelques candidats autant qu'un ancien vice-président sous administration président Trump là et Mike Pence et ancien gouverneur New Jersey à Chris Christie et ben déclaré que Trump disqualifié pour le président encore à cause ça aurait les manque respect pour constitution ensemble à 91 accusations tribunal qui sous dole. Ancien gouverneur Caroline du Nord, en parlant de Nikki Haley, déclarait Trump c'est un politicien qui plus disqualifié dans tout États-Unis. Nous pas capable de gagner une élection générale avec M. Trump. Cependant, novice politique, j'en considéré là, qui pas grand pile et expérience dans la politique, en parlant de Vivek Ramaswamy, qui a monté dans son dajo, et bien, il était campé bon côté ancien président Trump, côté il était dit que c'était meilleur président dans tout 21e siècle. Donc, c'est le premier débat qui fait pour primaire parti républicain. Donc, ancien président Donald Trump est toujours devant dans le sondage. Et lui-même, il était estimé que ML3 devant, il n'a pas besoin. Il n'a pas gagné pour le prouver encore. Donc, il n'est pas venu dans le débat hier soir dans Wisconsin. Et pendant ce temps, tant qu'on nous a dit là, ancien président trouvé sous route à l'aéroport, côté que le prendre avion pour le venir dans Atlanta, côté que le pral gain pour le run tête li dans Fulton, côté que y a bien pour prendre photo, il y a bien pour prendre empreinte li selon ça qui déjà dit. Et gagne Philip Carter qui a suivi de très près pour nous dossier ça depuis Georgia. Donald Trump se rendra donc à nouveau aux autorités. Une autre arrestation ici en Géorgie, donc cette fois où l'ex-président est accusé d'avoir comploté pour annuler les élections de 2020 dans cet État. Son court séjour dans la prison du comté devrait donner naissance à une première historique. Un mugshot, la photo d'identité d'un ancien président américain prise lors de son arrestation. Trump reste le favori actuel et absolu pour être le candidat du Parti républicain à la présidence. La campagne a déjà utilisé ses 3 dernières inculpations pour collecter des fonds auprès de ses partisans. Et l'équipe de Trump présente ses accusations comme partie d'une poursuite politique pour nuire à ses chances de réélection. Sa comparution ici à Atlanta sera cependant différente des autres. Elle l'obligera à se rendre dans une prison, mais sans comparution devant le tribunal pour l'instant. L'arrestation de Trump, plus tard aujourd'hui, a lieu au lendemain du débat présidentiel à Milwaukee, hier soir, le premier entre candidats républicains. Un débat qu'il a décidé d'ignorer et qui a mis en vedette ses principaux rivaux pour l'investiture républicaine de 2024. Sa présence ici à Atlanta, bien que brève, détournera à nouveau l'attention de ses adversaires. Lors du débat, 8 autres candidats ont cherché à profiter de son absence pour élever leur propre perspective présidentielle. Mais il a fallu plus d'une heure aux modérateurs pour poser des questions sur les problèmes juridiques de Trump. Le débat de 2 heures sur Fox News était déjà mis par court lorsque l'un des modérateurs a déclaré qu'il souhaitait prendre un bref moment pour parler de Donald Trump et de ses 4 actes d'accusation criminelle. Trump a une avance considérable dans les sondages et a été très peu critiqué par ses adversaires. Rien dans ce débat n'est de nature à le faire changer d'avis quant à sa participation au prochain débat, le mois prochain. Une chance peut-être pour lui de se concentrer sur ses problèmes judiciaires avec 4 procès qui pourraient avoir lieu pendant la campagne présidentielle. Philip Crowther pour VOA Créole à Atlanta. Merci Philippe. Et Fondi Keguin, l'autre ancien avocat, ancien collaborateur, ancien président Donald Trump, puis qui yo même déjà run tête yo, parmi yo gen Rudy Giuliani, ancien magistrat New York là, et ancien avocat, ancien président Donald Trump, li baye $150,000 caution
pour pas rester dans prison et président ancien président Donald Trump lui-même il va gagner pour paraître là tout et d'après information lui-même la bail $200,000 pour pas rester dans prison parce que techniquement les depuis il vini là c'est en coulé dans prison. On l'autre l'un à venir avec plus technicalité sous question ça pour nous. Et puis l'autre gros point qui a dominé actualité internationale là, depuis hier, c'est avion ça qui a crasé avec 10 passagers et te gen non chef groupe mercenaire Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui était parmi les passagers ça et tout mouri. Profil Prigozhin a créé action sous la molly après accident avec Valerio Saint-Louis depuis New York. Dans pays la Russie, yon enquête déjà commencé sous accident avion ça qui t'a tié chef groupe mercenaire Rissio qui relè Wagner. Yevgeny Prigozhin, chef mercenaire yon ta yon nan moun ki mouri nan accident avion ça qui rive 2 mois après rébellion Prigozhin te fait contre leader militaire pays la Russie, ça qui alimenté rime sous possibilité yon assassinat. Non chef mercenaire yon te enregistré dans liste passager qui te à bord avion ça qui fait accident pendant que le tap volé sorti Moscou en direction ville Saint-Pétersbourg. Depuis bonheur de matin, jeudi 24 août ça, après nouvelle officielle qui confirmait que chef mercenaire qui pi puissant dans pays la Russie, Yevgeny Prigozhin, t'est mouri, plusieurs moun t'est déplacé vin déposer fleurs et puis li men bougie tout près bureau groupe mercenaire Wagner là dans Saint-Pétersbourg. Par contre, pas de gain aucun commentaire officiel qui sorti dans Kremlin ou soit dans ministère défense là sous la mort Prigozhin. Prigozhin t'est gain 62 ans. Il était reconnu depuis plusieurs dizaines d'années comme chef cuisinier Vladimir Poutine en personne, grâce à contrat que compagnie liant te joigne pour cuit manger pour Kremlin. Personne pas fin trop clair sous qui Jean Zamitaille entre lui-même et président russe Vladimir Poutine n'a commencé. Mais yon te kon l'autre depuis yon te jeune garçon. Yon te fait et puis yon te levé ensemble dans la ville Saint-Pétersbourg. Dans l'année 1979, laisse ça, Prigozhin te gen 18 ans. Yon te kembel nan volé et puis yon te suspend li et puis yon te bal yon sentence 2 ans 6 mois en prison. Après elle te fin sorti dans prison, dans l'année 1980, Prigozhin te commencé vendre hot dog dans ville natale. Et puis c'est comme ça, elle te commencé l'ouvrir une chaîne supermarket. Et puis éventuellement, elle te vin l'ouvrir propre restaurant Pali, ensemble à compagnie restauration. Restaurant lien te vin gen réputation pour bon manger lio, et c'est là que elle te kon accueilli, diite ville yo, parmi yo, député magistrat Vladimir Poutine. Sorti dans business restaurant grâce à contact li, Prigozhin te vin commencé jouer un contrat pour équipement lourd pour gouvernement. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à mener opération Lio dans un autre niveau. C'est dans le mois de septembre 2022 qu'elle a admis qu'elle a fondé groupe militaire mercenaire privé par lui depuis l'année 2014. Même année ça que la Russie a annexé Crimée, sorti dans l'Ukraine. Groupe mercenaire Wagner a été goumé dans le pays Libye, dans le pays Syrie, dans le pays République Afrique centrale et le pays Mali parmi l'autre pays dans le monde. Prigozhin te vin un gros allié pour Poutine dans la bataille contre l'Ukraine là et te promet li que le tap influence la présence la Russie dans plusieurs pays en Afrique. Cependant, Prigozhin te vin senti puissant, c'est comme ça qu'il te vin camper en face Poutine. Il était passé plusieurs mois à critiquer la guerre la Russie en Ukraine, une guerre que Moscou relaye une opération militaire spéciale, il te essayé renverser ministre défense Sergei Shoigu ensemble avec Valérie Gerasimov qui lui-même c'est général en chef l'armée russe là. Dans le mois de juin passé, le président Vladimir Poutine te fait face à plus gros défi que le te prend pendant que le sous-pouvoir. Les Prigozhin te dirigé une révolte armée contre lui. Rébellion 23-24 juin, ça, te souqué Kremlin. Et Poutine, dans une adresse à la nation, te relé Prigozhin, un allié qui te vin une traite. Mais ça pas de printemps pour que Prigozhin te campé révolte là et pour que deux chefs yo te retourné amis. En pile moun nan pays la Russie te mandé tête yo ki Jean Prigozhin te arrivé fait face carré avec Poutine sans que ça pa gen aucune conséquence. La presse locale et internationale parlait de revanche, de assassinat après que chef mercenaire Wagner là ta mouri dans accident avion ça. Comme ça tout plusieurs leaders pays occidentaux yo te réagi. Président américain Joe Biden te dit I don't know for fact. Moi pas connais exactement ça qui t'est passé hein, mais moi pas saisi. Pas gen en pile bagay qui rive dans le pays la Russie que Poutine pas de elle. Au côté pas, le porte-parole gouvernement pays la France dit que le d'accord avec évaluation président Biden fait. Il dit que li croit que gen yon doute raisonnable sur accident avion ça. Ministre affaires étrangères Allemagne là, lui-même tout est réagi. Annalena Baerbock te dit jeudi a que c'est pas une coïncidence qui fait que le monde entier immédiatement vire regarder Kremlin avec un geste suspect parce que li doit pour que ancien confident Poutine tout d'un coup tombé sous le ciel à bord d'un avion 2 mois après que le TSE fait une révolte. Président ukrainien Vladimir Zelensky te réagi jodi à tout pour dire que pays pas gen rien pour louer avec la mort supposé chef Wagner là Yevgeny Prigozhin dans un accident avion. Et bon côté parle finalement jodi à président la Russie Vladimir Poutine te réagi tout. Il te voye condoléances li bay famille Yevgeny Prigozhin.
Yevgeny Prigozhin mouri quelque soit façon. Et observateur yo aptan pou wè qui est qui pral remplacer il à la tête groupe mercenaire Rissio. Valerio Saint-Louis, depuis New York, pour VOA News. Et quelques analystes qu'on y a qui a posé question qui j'en funérailles Prigozhin pral dérouler dans le pays la Russie. Donc ça pile question qu'a posé sous l'amosa. Et puis, il y a l'autre point qui domine l'actualité, son actualité qui a mené dans Johannesburg, en Afrique du Sud. Côté, c'était clôture sommet BRICS là, avec une grosse décision pour la J-Groupe là. Gentil Augustin Junior, suivez pour nous clôture ça. Dans le dernier jour du 15e sommet membre BRICS, 6 nouveaux pays invités pour rejoindre bloc là. Nous décidons d'inviter République Argentine, République Arabe l'Égypte là, République Démocratique Fédérale Éthiopie, République Islamique Iran, Royaume Arabie Saoudite et Émirat Arabe Uni pour venir membre BRICS. Membre yo pral entrer officiellement dans bloc là à partir 1er janvier 2024. Will take effect from the 1st of January 2024. Leader BRICS yo ki sorti nan pays développé yo invite 6 lot pays pou yo rentre nan bloc la. Yon façon pou augmenter poids bloc la ki engagé nan défense site global la. Président Brésil la, Luis Inácio Lula da Silva te di. Entre vários resultados da cúpula de hoje, ressalta a ampliação dos BRICS. Parmi tout résultat qui sorti dans le sommet aujourd'hui, moi t'es capable de mettre accent sur amélioration BRICS là et nouveaux membres. Jean-président Ramaphosa fait dit, c'est avec un pile plaisir que Brésil accueille Arabie Saoudite, Argentine, Égypte, Émirat Arabe Uni, Éthiopie et Iran dans BRICS là. Aujourd'hui, produit interne brut, GDP BRICS pral rive dans 36% dans produit interne brut mondial là en termes pouvoir d'achat et 46% en termes population mondiale. E 46% da população mundial. Président Rysla Vladimir Poutine, qui pas présent physiquement dans le sommet, jeudi 24 d'août, là, te remercie président sud-africain Cyril Ramaphosa pour Jean Ligéré 15e sommet BRICS là et pour effort li fait pour élargir bloc là. Et il te continue pour dire. Mwen ta remen félicité nouveau membres yo ki pral travay nan haut niveau année prochaine. Mwen vle assurer tout kolèg mwen yo ke nou pral continuer travay nou te commencé jodi a pou augmenter influence mamb BRICS yo nan monde la. Pour расширению влияния BRICS в мире. Expansion BRICS pral bay nouveau élan nan mécanisme coopération groupe la. Président chinois Xi Jinping te di jeudi 24 d'août la et te continue pour di. Pays BRICS yo c'est tout pays qui gen gros influence et puis qui gen responsabilité important pour la paix et développement dans le monde. Nan dernier jour 15e sommet BRICS la, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres te di que estricti actuel gouvernance mondiale yo reflété monde hier ya et pour institution institution multilatérale yo rete universel yo doit réformer. Dit te continue pour dire. Yo te créé largement après deuxième guerre mondiale là. Les empires pays africains étaient toujours dirigés par pouvoir colonial yo et yo pat même sous table là. Après plus passé 20 pays te manifesté volonté pour rejoindre BRICS là, après 3 jours travail, Brésil, la Russie, Inde, la Chine ak Afrique du Sud décidé intégrer 6 nouveaux membres dans bloc là. Membre sa yo a pris place officiellement 1er janvier 2024. Gentil Augustin Junior, Miami pour VOA Creole. N'après toujours dans actualité internationale là, yon groupe réfugié qui sorti en Ukraine marqué anniversaire indépendance pays a que au courir quitter à cause la guerre. Yon reportage Serge François Michel. Des douzaines moun Ukraine qui découvrent pour la guerre dans le pays, ensemble avec militants et diplomates dans le pays Serbie, étaient rassemblés jeudi dans la capitale Serbie à Belgrade pour marquer 32 l'année depuis Ukraine était divisée avec Moscou pour prendre l'indépendance. Anniversaire ça venait exactement sous 18 mois depuis la Russie de lancer une invasion la caille voisine. Moi, t'as aimé où ça finit ailleurs. Ces paroles Volodymyr Tolkach, qui est ambassadeur d'Ukraine en Serbie. Célébration est revenue dans un moment côté président Ukraine Volodymyr Zelensky, acteur Kali en Serbie, Aleksandar Vučić, a cherché à améliorer les relations. Malgré Belgrade refusé d'imposer sanctions sur la Russie.
Sebi condamné plusieurs fois l'invasion de la Russie dans l'Ukraine devant les Nations Unies et dans l'autre forum international. Il y recevait des dizaines de milliers de réfugiés qui sortent d'Ukraine. Mais je ne le dis pas, il pas mêlé dans les sanctions contre Moscou. Dans la manifestation, Anastasia, une jeune dame qui portait un drapeau Ukraine et mettait bouquet fleurs traditionnel dans Cheveli, dit l'État espéré une victoire contre la Russie. Elle dit, depuis l'Ukraine existait, la main pour le droit existait, pour la possibilité pour figurer sous quatre Europe là, avec le monde là. C'est bien toujours dépendre totalement des gaz naturels qui sortent de la Russie. Les des relations commerciales avec militaires avec Moscou et dans les pays balkans ça, en pile monde qui a sentiment en faveur Moscou. Mais Belgrade a cherché tout, entrer dans l'Union Europe là, et puis l'État a remis diverses sources pour l'énergie. Leonard Kanak, un politicien à opposition qui en faveur l'Occident, dit supporter l'Ukraine, c'est défendre la démocratie à droit monde. Pas seulement en Europe, mais dans tout le monde là. Serge François Michel, VOA Creole. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Là, nous disons dans langue créole haïtienne, c'est parce que VOA gagne plus que 40 langues la donne. Il faut le faire. Donc, Haïti, échappé en bas cyclone Franklin pratiquement. Cependant, la République dominicaine prend quelques frappes dans un bas cyclone. Sandra Lemaire, gagne détail. Tempête tropicale Franklin causé gros inondation à Clavalas dans la République dominicaine mercredi après l'été frappé région sud pays. Au moins un monde mouri et deux autres blessés. Autorités ont dit qu'il y a un monde qui disparaît. Tempête là a commencé à déplacer tard mercredi et puis quitter les îles Hispaniola que la République dominicaine partageait à Haïti. Tamsa a dit tout l'eau qui sortit en l'air a descendu ici là. Rivière était gonflé tout partout pendant l'équipe défense civile République dominicaine ta bat pot moun qui pi nan risque. Tamsa a dit moi peur pour me pas perdre tout bien moi. Moi peur moun pral mourir. Centre opération d'urgence République dominicaine nan dit gen 312 moun que yo transféré nan abri. Li dit gen 25 provinces qui en bas alerte rouge et puis 7 lot gen alerte jaune. Centre national ouragan prédit mauvais temps cap déplacé tout doucement pral continuer causer gros la pluie jeudi ak possibilité pour gen inondation ak éboulement nan région centrale République dominicaine. Sandra Lemaire pour VOA Créole. Gouvernement haïtien fait connaître force multinationale qui t'a dû débarquer dans le pays sous leadership pays Kenya. Pape vient remplacer PNHA, donc police dans le pays, contrairement à ça, en pile monde dit. Où est-ce que c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince? D'après une note, gouvernement haïtien publié dans la soirée 23 août 2023 par rapport à la fin mission délégation Kenya, non, force multinationale sécurité qui t'a dû déployer en Haïti sous leadership Kenya a vint renforcer police nationale d'Haïti, hein? Non pas pour remplacer, contrairement à ça en pile moun abdi. Selon ça qui dit nan note là, première visite délégation kenyan ça, t'est très utile. Li permet yo confirmer toute partie gen même compréhension sous mission 1. Li pap là pour remplacer la police nationale d'Haïti, ni pour faire travail li, la vint aider pi performant, pi adapté, puis en mesure pour capable remplir mission qui s'est protégé à servir toujours d'après notre lan. En termes réaction, responsable programme dans le réseau national défense du monde RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, dit tout autant pas gain vetting qui fait dans l'institution, pas gain rien sérieux qu'à régler. À aucun moment de la durée, autorité ou pas jamais décidé pour y faire vetting institution policière là, puisque nous d'accord gagnent des policiers qui gagnent des liens avec des bandits armés, pour y bail la police là moyen avec équipement suffisant et adéquat pour capable colter avec bandits armés, et troisièmement pour y avoir résultat. Pour nous même dans RNDDH, je crois que ça est fait dans l'ordre que nous dit là, pour nous d'accord dire que oui, effectivement, face à situation insécurité ça, police là qui est capable et les dépasser par les événements, et que à partir de ce moment, on garde pour nous qui l'autre option qui gagne, qui l'autre possibilité qui gagne. Gang Ameyo, gen plus grand effectif que la police nationale d'Haïti, selon plusieurs membres de la Commission nationale des armements,
ak réinsertion CNDDR qui expliquait sorti l'année 2019 pour arriver 2023 effectif soldats dans groupe armé yo triplé. Si en 2019 te gen 162 groupes armés avec environ 3000 soldats sur territoire national là selon un rapport stratégie nationale pour désarmement démantèlement groupe armé ak réinsertion individu désarmé SNDDR, jodi dans l'année 2023 quantité gang armé yo doublé ak effectif yo triplé environ 300 groupes armés a opéré dans pays d'Haïti d'après rapport Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. N'a prêté toujours dans capitale la Port-au-Prince côté gagnon vent la paix qui a soufflé dans mi-temps GPEP ak G9 nous connaît qui était vraiment a frappé et ben correspondant nous Massado Vilmé gain détails sur la paix qui fait en deux groupes. Quatre années depuis une bataille qui a éclaté dans mi-temps Genève en famille avec GPEP qui te mette Robele avec Babele en face. Quatre années après, concerné a décidé de mettre bout dans l'étude ici là, qui te pote aller la vie plusieurs femmes et garçons, sans compter quantité de cailles qui te boule tout. Pot parole Genève, famille et allié, Jimmy Chirizi alias Barbecue, qui se principal initiateur la paix ça, dit de massa rentrer dans l'idée pour chercher bien-être pour masse défavorisée. Nous choisissons faire ça nos bébés entre nous pour nous avancer. Pour nous chercher chemin développement pour peuple ça, pour nous chercher un bien-être pour moun qui vivent dans le quartier populaire et pour nous chercher un bien-être pour peuple haïtien en général. Alexandre Marc-André, porte-parole Belé, salue l'initiative là. Frère, nous très félicite mon frère. Nous dit bon Dieu dans ciel là, à maman spirituel. Nous félicite frère en pile, même moi. Il y a un maximum de confiance, il y a un maximum de comprendre juste pour venir atterrir dans nos populations pour nous faire travailler ça ensemble pour nous délivrer peuple là qui comprendre. Objectif ça, livre les dia, objectif c'est pour Pradia et toute population tout, voulez comprendre tout, j'en ouvre les machines. Merci à vous, mon frère, moi je félicite vous. Exécutif réseau national droit mon nom, Pierre Espérance, nous t'ai parlé avec lui sous question ça, dit démarche là, pas gagné pour avec la paix. Défense droit mon nom, indexé, ancien président, lui dit qu'il y a mes cachets d'air en tant que si là. Je suis content de balancer les armes encore, mais la paix a fait pour les bandits ont déposé les armes. Nous toujours tendons ça et puis c'est l'autre bagaille. Matéli fait sanction et chaque fois vous attendez, soi-disant la paix, Matéli d'elle. La paix a fait les bandits ont déposé les armes. Ou pas qu'à gagner les armes, nous avons parlé de la paix. Mais pas que ce sont mes bagailles, les gens ne peuvent tirer sur l'autre, ils ne parlent pas de quartier défavorisé à attaquer le monde. Mais toute attaque qui fait dans le quartier défavorisé depuis 2018 à nos jours, eh bien, la police a toujours une équipe en Matéli, la police a une autre institution. Il y a une accusation, porte-parole Genève Famille et Alia, Jimmy Chirizier, VOIGT, pas de demander à gouvernement pour créer conditions pour porter l'école yo relouvrir dans le quartier populaire. Pas occuper moun, kap vin di nou la paix sa k fèt la, et que c'est ancien président Matéli Gel. Non pas moun sa yo, nous pas jan moun sa yo. Jodi a gon conscience qui a dégagé dans tout quartier populaire yo. Tout nèg ki gen zam la men ou pren conscience, nous rendons compte que nous fait moun qui semble nous souffrir trop et que nous choisi faire la paix. La paix pour nous goumen pour nous changer pays. Encore une fois, nous avons demandé au ministre Nesli Maniga. Josiane, nous avons fait prétexte, c'est balle qui a tiré dans le quartier populaire qui fait l'école pas à l'ouvrir. Mais Josiane, si nous avons gardé pour nous, pas un coup de balle qui a tiré entre El Maya avec Moun Delma 6. Ça veut dire que ça. Lycée Daniel Fiole qui était fermé, il faut qu'il l'ouvre. L'école professionnelle d'apprentissage d'Aomé qui était en construction, qui était dû écouter l'État haïtien, 3 millions de dollars. Depuis toujours Jovenel Moïse qui campé, qui pas continué, n'a pas demandé pour retourner, venir construire les centres d'apprentissage d'Aoméen pour nous. L'école nationale d'Aoméen, toute l'école nationale qui gagne en bas d'Elma, Riel Maya, Ritimas, n'a pas demandé l'État pour prendre toute disposition pour l'école ça aurait l'ouvrir. Dans le cas contraire, Moun Riel Maya, Moun Delma de Delma 4, Delma 6, Moun en bas d'Elma en général, mélangé à Moun Ri Saint-Martin, Moun Belé, n'a fait un seul. Nous allons chercher mon sur éducation pour petit nous. Comme rappel, ancien policier Jimmy Chirizier alias Barbecue en bas sanction pays États-Unis pour présumer implication dans massacre sous population la Saline dans l'année 2018 et dans plusieurs autres actes violences encore qui te menacé la paix et instabilité dans pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Rovinme pour VOA Créole. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Rendez-vous Créole sous la voix de l'Amérique ensemble avec Fabula Jean-Charles. Rendez-vous cassé, même le à demain si Dieu veut, pour prochaine sortie édition ça. D'ici là, restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.